Je lui fais croire que je reçois un message d'un footballeur. Bébé, Quoi? il y a un mec qui m'a envoyé un message sur Insta. C'est pas vrai. Je te jure. T'es Attends. sérieuse, Anna, là? Il est grave connu en plus. C'est qui? Oh, c'est un footballeur. Attends! C'est un Attends foot. quoi? Tu crois que je vais attendre pendant Je qu'elle te reçoit jure, son c'est un message? footballeur! Tu veux falsifier? Ouais. Comment téléphone Attends. cadavre, t'as même pas. Je vais devenir riche. T'es sérieuse, espèce de michetonneuse? Attends, je lui réponds pas. T'es Attends, bien espèce de juste, attends, michetonneuse, juste, là, toi. je like une photo. Mais heureusement qu'on s'est toujours pas mariés. Heureusement. Mais des Sinon, amis ou j'ai même pas? pas de courrier après. Ah, il Ah, est avec ton footballeur. beau! J'aime trop. Il y a une petite barre et tout. Ah, il est trop beau, ouais. Oh, attends, juste like une photo et j'ouvre pas son Mais tu te fous de message. ma gueule, Maria? Mais Quoi? quoi? Juste tu likes une photo? Mais je like une photo, c'est rien! Mais qu'est-ce qui s'en bat les couilles de ta vie? Bah non, c'est lui qui m'a envoyé un Mais message. juste pour te talon? Mais Golozo. Je sais pas que t'es une fille comme ça, toi. sérieux là? C'est toi, t'es sérieux, tu reçois des messages de footeux, frère, t'es là, t'es. Tu veux pas savoir qui c'est? C'est qui? Viens voir. Vas-y! Mais donne! Va te faire foutre. J'ai une surprise pour toi et pour ma mère. C'est quoi? Tes ongles. Je suis obligée. Tout à l'heure, elle m'a fait un cinéma parce qu'elle voulait les refaire. Du coup, j'ai pris la décision de ramener une ongliste ici pour toi et pour ma mère. Mais chut, parce qu'elle est juste devant la porte. Ce soir, maman, tu vas faire tes ongles avec Lisa. Merci beaucoup, Lisa. Avec plaisir. Et après, bébé, c'est à ton tour. J'ai trop hâte. Anna, tu vas faire quoi comme ongles, bébé? Des longs ongles à paillettes. C'est pas vrai. Non, Lisa, tu vas pas lui faire des longs ongles. Mais XXXL. Oh! Anya! Regardez le résultat. Est-ce que vous êtes contentes, les filles? Moi, je suis trop contente. Soirée entrevue validée? Soirée entrevue validée. Check. Merci. Les gens, grosse coupure de courant à Punta Cana et c'est la deuxième fois en même pas une semaine. Regardez, tout le monde a sorti son flash encore une fois là-bas. La dame pour s'éclairer, c'est un carnage, franchement. Donc, je vous explique, en gros, en ce moment, il y a des orages, mais de malade mental, des tornades. Genre, quand je vous dis que tout vole. Et là, regardez, grosse coupure de courant. Voilà, voilà, regardez, il y a quelqu'un qui a son flash là-bas. Ah, les gens, c'est revenu en direct. À chaque fois que je fais un TikTok, genre, ça porte chance. Mais du coup, on n'aura pas de wifi pendant 24 heures. Même la musique, elle est revenue. Vas-y. Je vous promets les gens, vous me portez trop chance à chaque fois qu'il y a une coupure de courant comme ça. Et bah genre ça remarche direct. Vous, des coupures de courant comme ça, on en a eu deux qui ont duré genre pendant 3 heures. Les gens, on a dû se cacher dans les toilettes de l'hôtel tellement il pleut. Maman, regarde s'il pleut encore. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Maman! Je leur demande une cigarette pour voir leur réaction. Bébé, Olivia, y a pas un de vous deux qui a une clope là, s'il vous plaît? J'ai envie de me détendre, de fumer là, je suis trop stressée, j'ai les nerfs. Mais depuis quand tu fumes? C'est nouveau ça. T'as une nouvelle lubie. Non, mais là. Moi, tu veux faire la mode comme tout le monde a fumé des clopes, Anya? Non, mais c'est pas la mode, je suis. T'as 22, t'as bientôt 22 ans. Est-ce qu'à ton âge, on fume? Bah oui. Non, fume pas. Ah bon, bah à quel âge? C'est pas bon pour la santé! Non, c'est maman. Olivia, t'es mal placé pour parler. Eh, tu pèses d'un ton, non? On t'a dit non! Mais je suis énervée, j'ai besoin de fumer, de me détendre! Eh bah va dehors, cours, je sais pas. Va prendre des chamallows! On va te détendre! Comment ça, des chamallows, toi, quand tu fumes, est-ce que je te dis pas prendre une sucette? Mais tu vas te calmer là? Comment tu me parles? Toi, bah tu oui, dis rien! Bah, Nia, tu parles pas comme ça à ma mère. Et toi, fais pas, et toi, fais pas la meuf qui fait des leçons. Qu'est-ce que tu lui as fait encore? Mais je lui ai rien fait, moi! J'ai besoin de détendre! Pensez-moi une clope! Viens, viens, cigarette! Point barre! Les poules, arrêtez de faire du bruit. Arrêtez de faire du bruit dans cette voiture! Dans la rue, à côté, il va me donner une cigarette. Et même si je veux savoir, je vais demander à un mec, je vais passer une clope. Ouais, et puis rentre pas ce soir. Et toi, tu me dis, ouais, parce qu'elle va demander à un mec. Viens, et ça, je rigole même pas avec toi. Ils sont tous cinglés, hein. Elle demande des clopes à des mecs. Viens ici tout de suite. Oh, je vais la chercher. Bébé, si tu devines ce qu'il y a écrit dans ma main, je t'achète un iPhone 14 Pro Max. Sérieux? Mais t'as une minute pour trouver à partir de maintenant. Ok. Cadeau. Non. Bonbon. Non. Sac à main. Non. Mais aide-moi. Mais Anya, je sais pas. C'est toi qui dois trouver. Non. Caleçon? Non. Un lit? Mais Anya! Mais pourquoi tu veux pas m'aider dans mon indice? Mais je sais pas, moi, c'est toi qui dois trouver, pas moi. Oreiller? Non. Tu veux pas m'aider en fait. C'est ça. Porte? Bon, je te donne un indice. Quoi? Il y a un J, un S et un P. Bon, trouve vite. Il reste 20 secondes. Jasmin? Non. Je te donne un indice. J, S, P.
P. Jasmin, sans poil. Ah non, tu le fais exprès. Je sais pas, moi, merde. C'est ça? Non. C'est quoi? Je t'ai dit, je ne sais pas. C'est toi qui dois trouver. Centre. Anya, je sais pas. Depuis tout à l'heure, tu me demandes, je te dis, je sais pas, je t'aide. Mais t'es sérieux, en fait, là? Bon. C'est pas un mot, ça? Les gens. C'est de la triche. Elle mérite son iPhone 14 Pro Max ou pas, et c'est vous qui décidez. Mon cœur? Oui. Je peux te dire un truc, mais tu t'énerves pas. Bah non, je m'énerve pas, je suis très calme. Encore plus quand tu me dis ça. Non, mais t'énerve pas, en fait. Non, je suis calme. Non, mais tu prends comme un conseil, une critique constructive. Mais je suis calme, dis-moi, bordel. Ok, hier c'était nul, éclaté au lit, j'ai simulé. Ah, c'était nul. Éclaté. Et t'as simulé. Ouais, franchement, ouais, tu peux mieux faire, franchement. Mais pourquoi tu mens? Je mens pas. T'as tremblé comme le mont Fushiyamagne. Hein. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Tu as tremblé comme le mont Fushiyamagne. Hein. Ah ouais? Le mont Fushiyama. Ah, en éruption totale. Mais tu sais quoi, là tu viens de me vexer. Ah bon? Ah, clairement, là je suis vexé. Mais non, mais tu faut me pas. Tu dis que c'était nul. Oui. Je suis vexé. Ah non, mais je suis vexé. Mais non, mais ah, faut mais pas. Je suis vexé. Ah, mais. Ah, mais. Je suis vexé. Toi et moi, c'est la grève du sexe pendant un mois. Rupture de sexe, un mois, il n'y a plus rien. Non, mais allez, non. Mais tu peux pas me faire ça. J'ai invité mon petit bébé et on va dîner au coucher de soleil. Ce soir, maman, on est ton date. On va manger tout là-haut. T'as peur? Ouais. Donc là, les gens, on doit signer une décharge au cas où on meurt. En gros, on va manger juste là. On monte tout en haut. Bon, allez, c'est l'heure de prendre place à vos sièges. Retour d'Anya, de se faire attacher. Tu stresses, bébé? On dirait vraiment il m'attache pour aller dans l'espace. Hein. Go in the space. Maman, t'as peur? C'est possible de plusieurs protections. Mais n'importe quoi. Regardez les gens, on décolle. Avec petit coucher de soleil. C'est trop beau. Maman, ça va? Si vous avez le vertige, ne regardez surtout pas en bas. Les gens, regardez, je peux m'allonger. Wow. À tout moment, mon iPhone, il tombe par terre. En plus, je tremble de ouf. Non. Regarde, tu peux baisser. Bébé, on va essayer de faire un bisou dans le ciel. Non, même pas faire un bisou dans le ciel. Je sais pas, 4 ans. Bon, les gens, je vous montre qu'on mange dans le ciel. Dans le prochain TikTok. Je vous montre ce qu'on mange dans le ciel. On est à plus de 50 mètres d'hauteur. Petite salade avec une sauce dominicaine. De base, j'aime pas manger des feuilles d'arbre, mais là, j'aime trop. Pain à la tomate. Grave, bon, mais c'est du pain, quoi. Petit coucher de soleil grave beau avec ton crush. Crème parmesan et je ne sais plus quoi. Zest Grey Bod. Poulet avec une purée et une petite sauce. Vraiment, le poulet est grave tendre pour une fois. Gâteau au cœur, chocolat, crème de meringue. De la bombe atomique, ça fond dans ma bouche. C'est bon, c'est fini, on descend, ça dure une heure environ, devine le prix. $555 pour 3 personnes. Je configure mon nouvel iPhone 14 Pro Max. Que j'ai acheté. Oui. Alors déjà, on le déverrouille. Français. France. Je suis féminin. Démarrage rapide. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attendez, je trouve pas mon wifi. Je sais pas c'est quoi le wifi. Donc là, je suis en train de rentrer le code. Mais oh my god, comment c'est super long. Le wifi, c'est bon. L'activation de votre iPhone prend plusieurs minutes. Ok, maintenant on attend. Bon, maintenant je fais mon Face ID. C'est parti. Bougez lentement votre tête. Ça me fait trop rire. Ah mince, il voit qu'il y a le téléphone. Attendez. Ok, c'est bon, il a validé ma tête. Créer un code. Je vous montre pas c'est quoi mon code. Maintenant, je vais restaurer à partir d'iCloud. Et on va tout rentrer mes identifiants. Bon, je ferai tout plus tard parce que c'est trop long. Bon, on va essayer de faire Siri. Dis Siri, envoie un message. Ah, oh, il reconnaît bien ma voix. Hein. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Dis Siri, lance un minuteur pour 3 minutes. Il a tout validé. Voilà, mon Siri est prêt. Pour... C'est quoi ça? On dirait que je découvre l'iPhone, je vous jure. On l'améliorera plus tard. Hein. Ça, on s'en fiche. Continuer.
Et voilà, maintenant, on n'a plus qu'à patienter. Une fois la configuration terminée, on n'hésite pas à télécharger TikTok. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Je récite les paroles d'une musique pour voir sa réaction. Et s'il te parle et s'il me cherche. Hein? Qui te cherche? Dis-leur qu'on est mariés! C'est pas comme ça, on est pas mariés, tiens, j'ai pas menti aux gens, c'est pas maintenant mariage. Qu'on a tourné le sablier et qu'il y a déjà quelqu'un dans ton barillet! C'est qui barillet? Mais qu'est-ce que tu racontes? Parle français là, je comprends pas ce que tu racontes en fait. Et s'ils veulent? S'ils veulent? Et s'ils veulent? Ils veulent tout de l'argent? Mais c'est mort, tu leur donnes pas d'argent. Dis-leur que c'est mort! Pas comme ça, t'existes pas comme ça, c'est mort, je leur dirais que c'est mort. Ils m'ont pas pris de l'argent, t'as rien. Viens à moi quand tu sors. Oh, mais pourquoi tu pleures? Mais non, mais. Parce que les méchants ils sont cachés dehors. Oh, mais non. Ania. Ania. Oh non. Ania. Mais pleure pas, mais je vais faire attention sur la route. Comment ça tu vas faire attention sur la route? Je croyais que tu sortais pas. Oui, non, mais je sors pas. Tu sors en cachette? Non, Ania. Non. Ça y est, c'est officiel. Bye bye, Punta Cana. Les gens, il y a deux solutions. Le vol, il est dans 3 heures. Je peux encore échanger le vol et prolonger, mais seulement de 3 jours, parce qu'après, elle reprend le travail. On fait quoi? Maman, ça sert à rien d'être triste, hein. C'est l'heure de rentrer à Paris. Tu dois reprendre le travail. Là, tu pleures et tout. Au revoir, madame. Merci. Oh non, maman. Au revoir. Au revoir, maman. Tu pleures, là? Allez, on reprolonge de 3 jours. On est arrivé au nouvel hôtel. On est arrivé à l'aéroport de Punta Cana. On reprolonge pour 3 jours. C'est content. T'es content, maman? Ouais, super content. Elles vont direct bouffer parce que nos chambres sont pas encore prêtes, mais je vais quand même vous montrer la piscine. Regardez la piscine, comment elle est énorme. T'es contente, maman? Super. En gros, ça, c'est des chambres qu'ils ont jacuzzi. Et accès directement à la piscine. Nous, nos chambres, elles sont toujours pas prêtes, donc on sait pas du tout ce qu'on a comme chambre. Mais du coup, on fait le room tour dans le prochain TikTok. Venez, je pousse Ania dans l'eau. Ah. Et pourquoi? J'ai mon sac. Et t'as tes règles. C'est pour ça qu'elle est très désagréable d'ailleurs aujourd'hui. Souhaitez-moi bonne chance. Yalla Dasha, ma'ak 10 sawani, a'tini 10 asma arabiya w khdi 100 dollars. Yalla Bachar, Mohamed, Abdallah, Aya, Yara, 3 sawani. Bachar. La, khsarti. La, yalla, la. Je lui propose de sucer une glace ensemble. Allô? Allô? Ouais. Alors, tu veux quoi pour Noël? Je sais pas, est-ce que tu travailles, t'es en train de... Bah, un sac ou un voyage? Je te l'ai dit, je veux pas de sac. Tu sais qu'il fait grave chaud à la maison, hein. Bah, t'as qu'un baisser chauffage. Bah oui, bah ce chauffage, c'est cher. Ouais, j'ai mis le baisser chauffage. T'as dit quoi? Attends, maman, je te rappelle, il y a le feu dans mon caleçon. Quel feu? Il y a le feu à la maison, je te rappelle. Tu raccroches vite, toi, pour te faire sucer à ta mère? Bah, oh, bébé, attends. Ah ouais? Ouais. Bon, on la suce, cette glace? Hein? Bah, on suce la glace. Mmh. Ah. Mmh. Tu t'attendais à quoi? Mais serré, bébé, on suce la glace. Ah bah, j'en veux pas.